Dans Ici tout commence, Maya et Vic ont eu la peur de la vie en constatant que quelqu'un s'est introduit dans leur chambre l'autre nuit. Mais aujourd'hui, les filles découvrent qui est ce mystérieux inconnu. Dans Ici tout commence, Vic, Loul Algaïri, et Maya, Alexandra Favali, viennent d'avoir une surprise très désagréable. Au petit matin, les élèves de l'Institut Auguste Armand se sont réveillés dans leur chambre et ont constaté que quelqu'un s'est introduit chez elles pendant leur sommeil. Qui est le rôdeur? Au pied du lit, les filles ont même retrouvé une assiette avec un plat en sauce entamée. Une table basse et une chaise étaient également installées dans la pièce, dans un axe idéal pour que quelqu'un les observe lorsqu'elle était endormie. Pour les jeunes femmes, c'est la panique générale. Celle-ci demande à Enzo, Aziz Diabaté, s'il ne serait pas cet individu mystère, dans le but de leur faire une farce. Hélas, le petit ami de Vic ne voit pas du tout de quoi elle parle. Qui est donc cet intrus qui fait froid dans le dos? Dans l'épisode d'Ici tout commence qui sera diffusé sur TF1 ce vendredi 20 octobre, la chaîne propose le feuilleton du lundi au vendredi à partir de 18h30, Maya et son acolyte n'ont pas réussi à dormir après cet événement inquiétant. Elles ont même veillé pour prendre cette inconnue la main dans le sac. La surprise de Maya, Vic et Enzo. Malheureusement, personne n'est venu. Anxieuse, elle discute avec Antoine, Frédéric Diffenthal, de ce qu'il s'est produit. Choqué, il soupçonne d'abord Souleymane, Dembo Camilo, qui se promène souvent la nuit pour réfléchir. Mais le principal intéressé se défend, il ne s'agit pas de lui. Après une petite enquête, Antoine, Vic et Maya décident de regarder des vidéos de surveillance pour peut-être apercevoir le rôdeur. Bingo! Le trio découvre sur ces images Enzo. Celui-ci porte en plus le peignoir d'Antoine pendant sa balade nocturne. Enzo leur signale alors qu'il est somnambule. Mais qu'un épisode ne lui était pas arrivé depuis un moment. Il s'est ainsi levé, est parti faire son marché dans l'Economa, puis a cuisiné des aliments et s'est assis dans la chambre de Maya et Vic pour déguster sa préparation. Cette dernière relève un détail important sur les images, Enzo marche sans béquille. Vic l'encourage donc à essayer d'en faire de même pleinement conscient. Et il y parvient. Une page se tourne pour lui après de longs mois d'handicap. À suivre dans Ici tout commence.